station, des voitures 1351 de la part de Dandy 33 en mobile. Ok, ben je sors juste de Périgueux côté sud. Ah ok, pas de problème. Je reçois avec un signal de 5 et une très bonne radio. Ok, ben mon côté c'est pareil, ça passe quand même pas mal fort. Le signal, j'ai pas trop regardé, mais bon, c'est au niveau côté radio, ça passe fort en tout cas. Ok, merci, là je suis un peu. Bon, écoute, la bonne route à toi, la présence surtout, avec ce week-end de Pâques, et puis la bonne fin de week-end. Ouais, je viens de regarder, c'est un signal de 5. Tu vois, là j'arrive là, d'une assemblée générale là, qui a eu lieu dans la Creuse. Hachi justement là pour la CB, tout ça quoi. Ah, pourtant hier quand j'ai pris la route à deux reprises j'ai eu du monde là sur le 19 et puis là tu vois là je t'entends là aujourd'hui. Ok, ouais, mais je suis rendu en bas, je dois pas être loin du péage, j'imagine. Ouais, c'est ça, oui. Je suis pas loin du péage, là, direction Bergerac, Angoulême, Bordeaux. Et effectivement, je suis dans le trou, là, j'étais pas mal perdu, là. Et 73 de Nadi 33, voilà, je suis pas loin du péage pour attraper en Bergerac, Angoulême, tout ça quoi. Ok, mais oui, j'ai entendu Gold, on sait qu'il nous a parlé là, voilà, on a discuté un peu, on a parlé même un peu de toi, que tu étais dans la Creuse, pour venir voir pour la CB, c'est bien ça, il faut que ça évolue. Ah ben oui, j'ai même été assez surpris, puisque vu les messages sur Facebook, à droite, à gauche, il n'y a plus personne là-dessus, les associations n'utilisent plus la CB, et ainsi de suite. Donc je m'étais fait tout un speech en tête pour aller dans ce sens-là, et puis arrivé là, et ben on se trompe complètement, tout le monde se trompe complètement, les associations utilisent majoritairement la CB justement. Donc le discours que je m'étais préparé, mais je me suis retrouvé un petit peu comme un con sur le coup, puisqu'en face de moi j'avais des gens qui connaissent très bien la CB, qui l'utilisent toujours autant quoi, lors de leurs associations. Quoi. Ouais, ben c'est pareil de mon côté. Hein. Et puis en plus là j'arrive en plein là où il y a des lignes à haute tension. Là, ça va devenir un petit peu le bazar. Ok, les batteries 1351. De toute façon, il y aura des news sur Internet de la part. Il y a tout un article qui va être fait par justement l'association ERCI. Voilà, donc ça sera partagé partagé de partout. Oui, ok, attention, je ne comprends pas bien ce que tu me dis. Je ne sais pas si Gold, je lui autour d'un micro, mais Gold, je démange la station sur la route. Ah ok, il faudrait que ça relance. Oui, mais c'est vrai que maintenant on est à peu près souvent à stand-by là, sur le 19, et puis si un jour il y a des nouvelles, peut-être on apprendra les évolutions dans la matière. Voilà. Oui, Gold, j'ai bien mangé, mise à table à midi 15, midi 20, et puis ressorti de table à 13h30, avec promenade de 1 km, mais ça n'a pas suffi pour digérer, j'ai pas fait. Hein. Voilà, il faut quelque chose de léger maintenant. Alors je vais laisser un petit blanc parce que j'ai l'attention qui part sur Bordeaux, là. Je ne sais pas s'il a abandonné ou pas, mais je laisse un petit blanc pour lui. Jamais j'abandonne, jamais. Hachi trois coups, oui, je suis toujours là. Et oui, il n'y a pas de problème, hein, puisque d'ailleurs, au niveau de l'association, là, cette association ERCI est un regroupement d'associations. Et là, pour le coup, j'ai été élu au poste, justement, là, pour défendre la CB. Et mon forum va être utilisé, va être intégré au sein de l'association et du site internet ERCI. Donc,
c'est bon, on tient le bon bout, on est dans le bon sens. Voilà, je vais mettre un bout de temps pour ça marcher. Mais écoute, oui, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de l'enfant, ça, le tour, on a une nouvelle petite vie, mais bon, il n'y a pas plus mieux que ça, c'est très bien dans le temps, je vais bien. Oui, oui, voilà, et d'ailleurs, il a fallu que je fasse un speech, je me suis chié dessus devant tout le monde, à chier trois coups, autant que c'est facile de parler en fréquence comme ça avec les uns les autres et ainsi de suite, autant se retrouver devant une assemblée, et bien, t'as le trouillomètre à zéro, là, pour le coup, et... De toute façon, déjà hier, j'avais déjà discuté à peu près avec tout le monde. Distribution de cartes de visite et ainsi de suite là, par rapport au forum. Et là, là ça va prendre une autre ampleur. Et on est bien tous d'accord, on est bien tous dans le même sens. Là, à faire le plus de bruit possible, à en parler le plus, à l'utiliser le plus possible, justement, là, pour que ça augmente de plus en plus, quoi, au bout du compte, hein, pour qu'il y ait de plus en plus de monde. Je vais y arriver. Là, je suis en train de te perdre là pour le moment. Là, je suis en train de faire le tour de la colline et c'est assez ardu de mon côté. Là. Ouais, enfin bon, j'ai eu QSL de tout ce que tu m'as dit. Il n'y a pas de problème. Ah oui, oui, il faut. Hein. Alors l'année prochaine, à la même époque, il y a des chances que je vais devoir moi, grimper directement en Alsace là pour l'Assemblée générale. Alors je te dis pas la balade, je te dis pas les QSO qu'il va falloir que je vais faire là, tout le long de la route. Hachi. Ok, ça marche. De toute façon, je reste en stand-by sur le 19. Il n'y a pas de propag en ce moment. Je n'ai pas l'intérêt de rester là sur le 555. C'est pas la peine. Je reste de toute façon ici. Il n'y a pas de problème. Là maintenant le signal a remonté un petit peu. Là c'est vrai que tout à l'heure c'était assez QRP mais tu passais quand même. Hein. Vu ce que tu envoies derrière, tu passais quand même. Hachi, il n'y a pas de problème. Merci, il n'y a pas de problème. Hein. Je repasse en stand-by. Si tu veux me repasser le micro, de toute façon je reste là-dessus, il n'y a aucun problème. Ok, pour le gastro, j'ai compris, tu devais parler du gastro liquide, hachi. Ok, merci. Là, nous, on rentre directement là, sur du côté de Saint-Émilion, question de la bataille. Donc, merci à vous deux pour ce petit QSO. Je reste dessus, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, découché de rien. Je ne sais pas, dites...
Et nous, on a eu de la neige hier. Il y avait, le réchauffeur, là, le préchauffeur de la voiture, il s'allume entre 0 et 0,5. Il s'est allumé pendant 2 secondes, quoi, tu vois. Et puis, j'ai dit ça, il a dû geler un petit peu ce matin à 7h, parce que moi, quand je suis levé, bon, c'était, vous voyez que c'était, bon, c'était froid, mais j'ai suivi les vitres, mais bon, c'était pas gelé. Ça a dû friser, friser. Hein. Tu m'étonnes, le signal a monté même. Alors nous hier, on a eu de la neige. Après, allez, on va dire, je sais plus, peut-être une demi-heure après s'être éloigné d'ici, on s'est retrouvé avec une tempête de neige. Et là-bas, dans la Creuse, ça a été de la neige toute la soirée. Il y a eu de la grêle aussi. Et aujourd'hui, eh ben, beau temps comme on a ici, là, pareil. Ouais, sur l'autoroute, j'ai aucun panneau, j'ai aucune indication. Alors, qu'est-ce qu'il y a de marqué dans l'autre sens? J'ai dû passer la sortie Marsac, mais moi je suis dans le sens vers le sud. Alors, qu'est-ce que j'ai comme repère, pardon? J'ai aucun panneau m'indiquant le kilométrage sur la route qui pourrait te dire quelque chose. J'ai pas de repère là pour l'instant là, sur la route. Non, mais c'est pas un problème, si t'arrives à vous sentir, c'est bien, parce que tu dois avoir un peu de jumelée derrière. À 99, et je dois être à 98 km. Voilà, oui, informatif, comme je dis à chaque fois, j'ai la boîte de miroir là derrière, là, qui mastique l'antenne, et ce qui fait que ça passe de suite beaucoup mieux, quoi. Oui, parce que comme je te sens, ça m'étonne aussi. Ouais, mais bon, j'ai une antenne qui va bien aussi. Hein. Je l'ai casquée, celle-là, ça, c'est sûr. Je n'achèterai pas tous les jours des comme celle-ci. C'est une A99, c'est ça. A89, pardon, pour l'autoroute. L'antenne, c'est une Wilson 5000. Si tu regardes sur Internet, du côté prix, elle va te faire tousser un peu. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est même plus performante que la Santiago 1200. Ce que j'ai là, c'est un transistor, hein, de toute façon en mobile, j'ai plutôt intérêt. Quoi. Numéro 94, toujours sur la 89. Ouais, je suis à la banque 94, là, sur l'autoroute 89. Alors, attends, je vais avoir une indication là, à te donner. J'ai un panneau. Alors, attends, bouge pas. J'espère que le signal est en train de monter un peu, parce que de mon côté, là, je vais perdre un petit peu tout le monde. Alors, je suis à la hauteur de la forêt de la Double, étang de la Gémée. Voilà, c'est la seule indication que j'ai pour le moment. Ok, voilà, c'est ça. Et là, je suis pas loin, je suis à 2 km de la gare de péage de Mussidan. Voilà, c'est là, bah, écoute, voilà. C'est là, bah, après, tu vas nous perdre, parce que moi, j'ai
Moi, j'y crois pas du tout, hein, parce que là, j'ai les collines là, justement là qui sont à côté de moi et tout. À mon avis, ça va boucher. Là. Je suis à quelques mètres du péage. Normalement, il y a une montée de QRM à chaque fois. Je viens de passer le péage. Passer le péage, là je suis grimpé sur les hauteurs, il n'y a quasiment que toi là qui arrive à passer de mon côté. L'autre station, c'est je l'entends vraiment à peine, si bien parce que j'ai pas de QRM de mon côté là que je le devine derrière, mais c'est tout pas plus. Alors là je continue à grimper, là, alors j'ai pas de nouvelles indications à te donner pour le moment. Oh oui, je sens que ça va être une question de secondes pour me perdre, parce que là je vais commencer à amorcer la descente. Alors ok, on va arrêter là, je pense. Je vais vous envoyer des bonnes surprises 51. Merci pour ce QSO et bye bye, à la prochaine pour les news sur internet ou peut-être en repassant par ici. Voilà, je suis à 2 km de la sortie 13. Ouais, j'ai vaguement entendu derrière, surtout le Roger Bip. Ok, merci, bye bye. Quelqu'un d'autre.
s'est vu également en fréquence, là, dans le sens de la montée. Et bien une demi-heure, ouais, trois quarts d'heure plus tard, j'ai encore eu une autre station là, qui faisait un essai radio. Alors lui, il devait certainement tout juste rebrancher sa station. Et premier essai, c'est bon, je lui ai sauté dessus, je répondu aussitôt. Hachi.